En politique, le conseil communal de la ville de N'Djamena restructure les bureaux exécutifs des différentes communes de la capitale. Après le deuxième arrondissement, le secrétaire général du conseil communal du MPS a installé hier les membres du bureau exécutif du 4e arrondissement. Idriss Oumar Idriss. Militants, adhérents et sympathisants du mouvement patriotique du salut de la commune du 4e arrondissement se sont réunis pour rendre belle cette cérémonie d'installation du nouveau bureau exécutif. C'est une équipe de 22 personnes dirigée par Barka Mustafa qui est investie pour vulgariser l'idéologie du parti au sein de différentes couches dans cette circonscription administrative. En les installant, le secrétaire général communal de la ville de N'Djamena invite les militants pour un nouveau départ après un répit politique. Le MPS ne fait pas l'exception. Nous devrions sans aucune crainte faire un examen de conscience et chercher à recadrer nos actions si c'est nécessaire pour une meilleure efficacité. Cette restructuration n'a pour unique ambition que de redynamiser nos organes afin de les rendre plus opérationnels et proches des militants. Un message bien perçu par les militants qui ont réaffirmé leur engagement de soutenir toutes les actions du président Idriss Déby Itno, fondateur du parti. Pour le secrétaire général du MPS, Mahamat Zembada, l'heure n'est plus au discours, mais aux actes concrets pour affronter les échéances futures.